J'ai essayé de tenir, Karine Viard séparée du père de ses enfants, ses touchantes confidences. Karine Viard est en pleine promotion pour une nouvelle comédie dans laquelle elle joue une mère de famille qui se sépare de son mari. L'occasion pour elle de comparer son rôle dans Nouveau départ avec sa propre réalité, dans le numéro de Téléstar paru en kiosque lundi 2 octobre 2023. Karine Viard est à l'affiche de Nouveau départ, une comédie dans laquelle elle interprète une mère de famille qui se sépare de son mari, incarné par Franck Dubosc. Une fiction qui se rapproche véritablement de ce qu'elle a vécu avec le père de ses deux filles. Si les deux comédiens apprennent à mieux se retrouver en se séparant dans Nouveau départ, ce n'est pas vraiment ce que Karine Viard a vécu avec son ancien conjoint. Mariée au technicien de cinéma Laurent Machuel, le fruit de leur amour a donné naissance à deux enfants, Marguerite et Simone. Mais le couple a pris fin avant même que leur fille puisse devenir autonome et quitter le cocon familial. Désormais, la comédienne de 57 ans a refait sa vie aux côtés de Manuel Herrero. Mais quand elle regarde en arrière, elle visualise sa précédente relation comme un échec. Les enfants cimentent le couple autant qu'Wills le divise. Mon couple était déjà parti en chouchou quand mes deux filles ont pris leur envol. J'ai essayé de tenir jusqu'au bac de Simone, la dernière, mais je n'ai pas réussi, a révélé elle interprète de Diane dans Nouveau départ aux journalistes de Téléstar lundi 2 octobre 2023. Pour Karine Viard, le secret d'un couple réussi est celui de ne pas s'oublier. Si les enfants prennent beaucoup de place dans la vie de leurs parents, il faut savoir prendre du temps pour réapprendre à s'aimer, malgré les naissances qui bouleversent le quotidien familial. On adore tous nos enfants, mais ils sont anthropophages. Ils cimentent le couple autant qu'Wills le divise, a révélé l'actrice, très honnête. Accueillir un enfant n'est pas une chose aisée, ce n'est pas un secret. S'ils deviennent le point central d'un couple, l'unique sujet de discussion, c'est le début de la fin, a témoigné Karine Viard à nos confrères. Malgré ses propos, elle n'a pas confirmé que ce genre de conflit était ce qu'elle avait vécu avec son ex-mari Laurent Machuel. Mais la communication, prendre du temps pour soi et la personne que l'on chérit, sont des principes qui semblent être très importants dans la vie de l'ami de Franck Dubosc. Une belle leçon de la part d'une maman pleine d'expérience à propos de la vie de famille.